Minamoto no Yoshihide, né en 1039 et mort le 4 août 1106, est un guerrier japonais qui a officié durant l'époque Heian, qui dure, elle, de 794 à 1185. Il est l'un des membres les plus influents du clan Minamoto, la famille qui instaurera en 1192 le premier shogunat, celui de Kamakura. Il n'est pas risqué de dire que Yoshihide a pavé la route de ses descendants, tant son prestige a aidé le clan à se développer. Yoshihide fait partie du clan Minamoto. Pour être plus précis, il fait partie de la branche Seiwa Genji, c'est-à-dire celle issue de l'empereur Seiwa. Soyons clairs tout de suite pour éviter toute confusion, Minamoto égale Genji, ça dépend juste de comment est-ce qu'on lit les caractères qui composent ce nom. À cette époque, pour éviter que chaque succession impériale dégénère en lutte intestine, l'empereur du Japon procurait aux princes non éligibles des titres de noblesse et les acceptait comme sujets. Les deux clans les plus connus issus de cette tradition étaient les Taira et les Minamoto. L'empereur Saga, par exemple, qui le premier accorda le nom Minamoto à certains de ses descendants, avait la bagatelle de 49 enfants. C'est beaucoup, et mieux valait effectivement avoir pensé à la succession bien en avance. Mais parmi les Minamoto, il y a de nombreuses branches. L'empereur Saga n'a pas été le seul à donner le nom de famille Minamoto, et c'est pas moins de 21 branches qui existent, une par empereur ayant utilisé ce petit truc. Certaines furent plus productives que d'autres, notamment celles qui nous intéressent aujourd'hui. La branche Seiwa Genji. Ce sont les descendants de Minamoto no Tsunemoto, fils du prince Sadatsumi et petit-fils de l'empereur Seiwa. Durant la période Heian, des troubles commencent à apparaître dans la partie septentrionale du Japon, au nord quoi. Le clan Abe, qui descend de barbares Emishi pacifiés durant l'époque Nara, commence à devenir un poil trop encombrant selon les standards de la cour impériale japonaise. Le clan Abe occupe les 6 districts de la Koromo. Il a acquis le titre de Gunshi, ou chef de district, certainement en échange de son ralliement au pouvoir de la cour. La zone contrôlée par les Abe au nord fait office de zone tampon. Elle fait le transit entre les populations Emishi du nord de Honshu et de l'île d'Hokkaido, et les gouverneurs provinciaux japonais du sud. Au début du XIe siècle, les Abe contrôlent entièrement la gestion administrative de leur district et rallient de nouveaux chefs pour renforcer leur position. Le chef du clan, Abe Noyori Toki, commence à armer des garnisons et lorgne vers le sud, ce qui exaspère les gouverneurs provinciaux. Le gouverneur de la région tente d'intervenir en 1051, alors que Yoritoki franchit la barrière de la Koromo pour étendre son pouvoir vers le sud, mais il est vaincu. La cour, pour mater la rébellion, envoie le chef Minamoto no Yoriyoshi avec son fils aîné Yoshihide. Il s'y rend accompagné en grande partie d'hommes du Kanto, région où le clan a réussi à rallier un grand nombre de guerriers à sa cause. Officiellement, les Minamoto doivent refaire passer la région sous le joug de la cour impériale. Officieusement, Minamoto no Yoriyoshi entend bien prélever quelques terrains pour agrandir son influence et ainsi solidifier son emprise sur les guerriers du Kanto, histoire de s'imposer définitivement comme leur suzerain. C'est le début de la guerre de Zenkunen, ou guerre de 9 ans. Abe no Yoritoki se soumet dès l'arrivée des occupants. Mais Yoriyoshi exerce des pressions très vite insoutenables pour le clan Abe, et la guerre reprend en 1056. Si la plupart des chroniques rendent Yoritoki responsable de la guerre, puisqu'il s'est de nouveau soulevé, il apparaît évident que le clan Minamoto n'y est pas étranger, puisque désireux de s'emparer des terres Abe. Bien que dotés d'une armée conséquente, les Minamoto mettent 6 années à parvenir à leur fin. Le froid et la faim atteignent le moral de leur armée. Mais Yoriyoshi est un excellent général, et surtout, son fils Yoshihide inspire ses hommes au combat. C'est durant cette guerre qu'il démontre ses talents devenus légendaires. Les chroniques de l'époque le dépeignent comme un guerrier acharné, excellent cavalier et archer émérite. Abe no Yoritoki est tué en 1057. Son fils Abe no Sadato continue de mener ses guerriers au combat, avec succès. L'une de ses grandes victoires est la bataille de Kawasaki, où il parvient à repousser les Minamoto grâce au combo gagnant d'une défense inexpugnable et d'une tempête de neige qui gêne grandement ses adversaires. Durant la guerre, il est dit que Yoriyoshi, ou Yoshihide selon les versions, pour assouvir la soif de ses soldats, tira une flèche au hasard dans l'air. Là où elle retomba, il creusa avec la base de son arc et trouva une source d'eau claire pour désaltérer ses hommes. La fin de la guerre est due à la division des chefs Fushu, que le clan Minamoto exploite à son avantage. Yoriyoshi demande de l'aide à Kiyohara no Takenori, de la province de Dewa, qui rallie des chefs Fushu dissidents.
Ensemble, ils finissent par vaincre Abe no Sadato en 1062, durant le siège de sa forteresse sur la rivière Kuriyagawa. Les chefs du clan sont tués ou contraints au suicide. Mais les choses ne se passent pas comme prévu pour Minamoto no Yoriyoshi. La cour, probablement craintive que le clan Minamoto ne prenne trop d'ampleur, décide de céder les biens du clan Abe à Kiyohara no Takenori. Les guerriers du Kanto, par contre, sont sommés de rentrer chez eux, de même que le clan Minamoto. Yoriyoshi s'installe à Kamakura, où il fait construire le sanctuaire de leur kami protecteur, Hashiman. Mais bien que n'ayant gagné aucune parcelle de terre, les Minamoto sont parvenus à rallier à eux une énorme partie des guerriers du Kanto, qui voyaient en Yoriyoshi un général hors pair et qui savait comprendre ses subordonnés. La situation n'est donc pas catastrophique, mais elle emplit les Minamoto de rancœur envers les Kiyohara. En 1080, une occasion inespérée se présente. Le clan Kiyohara se divise. Les tensions sont telles que la guerre éclate en 1083 entre Masahira, Yehira et Narihira, chefs des différentes branches du clan Kiyohara. Minamoto no Yoshie, devenu chef de clan Minamoto, profite de l'occasion et s'immisce dans cette nouvelle guerre, la Gozannen, ou guerre de 3 ans. Il y soutient le dénommé Kiyohara no Kiyohira, le demi-frère de Yehira. Yoshie démontre une fois de plus pendant cette guerre son statut de leader incontestable, en gardant le moral de ses troupes au plus haut, grâce à une discipline de fer et une détermination sans faille. La guerre est gagnée en 1087, à l'issue du siège du fort Kanesawa, où Yehira et son oncle Takahira sont finalement tués. C'est juste avant ce siège que se déroule l'une des plus fameuses anecdotes quant à Yoshie. Il parvient effectivement à déjouer une embuscade en surprenant un vol de grues qui se sont envolées, car dérangées par la présence des troupes ennemies dissimulées. Après cette victoire, Kiyohara no Kiyohira demande à rejoindre la puissante famille Fujiwara, à laquelle il est lié par son père. Une nouvelle branche du clan naît, les Oshu Fujiwara, c'est-à-dire Fujiwara du Nord, ce qui ramène les provinces rebelles du Nord sous le joug de la noblesse impériale. La victoire n'est pas celle espérée pour les guerriers du Kanto. En effet, la cour, une fois de plus, décide de ne céder aucune récompense au clan Minamoto, car elle estime que Yoshie s'est engagé dans la guerre à des fins personnelles, et qu'il ne mérite donc rien. Cela étant, cette nouvelle campagne a renforcé la solidarité des guerriers du Kanto. Rentrés chez eux, ils ont raconté leur histoire, leur prouesse, et entre eux est née une nouvelle solidarité, un esprit de corps. La caste des samouraïs commençait à prendre son essor au Japon. Bien qu'encore considérés comme de vulgaires brigands par les nobles de la cour, ils commençaient à prendre conscience de leur appartenance à un ensemble, ensemble qui prenait de plus en plus d'importance dans le pays en pleine mutation. Quant à Minamoto no Yoshie, il décide de récompenser ses hommes en leur offrant des parcelles de terrain du clan. Ce geste fut vu comme grandement honorable par les guerriers du Kanto, et de plus en plus d'entre eux firent passer leur domaine sous la tutelle des Minamoto. Le phénomène fut tellement important que la cour elle-même dut en arrêter la pratique pour éviter que le clan ne prenne trop d'importance. Malgré cela, Yoshie est à présent à la tête d'une troupe de guerriers loyaux et a bien commencé à écrire la légende du clan Minamoto, légende que ses descendants vont s'empresser de perpétuer. Minamoto no Yoshie est vu comme le pionnier de la noblesse guerrière qui supplantera la noblesse de cour dans le contrôle du Japon jusqu'en 1868. Il est resté dans les annales comme Hashiman Taro, le fils du kami de la guerre, tant ses talents à la fois en combat et en commandement étaient grands. Pour la caste nouvellement créée des guerriers, il devint rapidement un modèle à suivre, parangon des valeurs qui seront celles, plus tardivement, de Bushido. C'est en grande partie grâce à lui que le clan Minamoto jouit d'autant de prestige et peut rallier tant de guerriers sous sa bannière dans les années et les guerres à venir.